PEGI 3. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà un petit peu pour l'épisode numéro 2. Donc pour ceux qui voudraient faire un bon plan par rapport à ce jeu-là, donc je l'ai acheté à 8€ sur le site Instant Gaming. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description et peut-être que vous trouverez d'autres jeux qui risquent de vous intéresser sur PC. En tout cas, nous, on va reprendre un petit peu notre fameuse carrière avec José Bové. Donc José Bové, hein. Donc où est-ce qu'on doit aller cette fois-ci? Marché du travail. Donc deux petites secondes. Mission rapide. Et je vais peut-être prendre cet itinéraire. Ouais, il a l'air plutôt pas mal, donc faudra juste que je me pète pas la gueule. Donc c'est parti. On va essayer de faire un peu plus attention parce que ma carrière en dépend. Donc deux petites secondes, comment on démarre cette connerie? J'ai un petit problème, c'est que j'ai l'impression que ma manette ne fonctionne plus. C'est génial. Ouais, elle marche plus. Donc je vais démarrer un peu avec ça. Ouais. Donc ma manette, elle marche plus les amis. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bien d'avoir un PC en fait. Ça fait toujours des petits trucs assez bizarres. Bon bah c'est pas grave, je vais le faire avec le joystick. Hein, c'est pas non plus très compliqué. Donc là je suis un peu avec le clavier, ça fait plus de bruit. Mais c'est un peu moins précis. Hein. Bon voilà. Après je vais essayer de sortir. La cargaison elle est grande ou pas? Là, comme par hasard, Ah, je vais claquer le mur dans pas longtemps. On va s'arrêter tout de suite. Donc, paramètres, contrôle. Il y a quelque chose à faire, là. Deux petites secondes. Donc, je vais essayer de faire un truc qui risque de vous faire rigoler. C'est les commandes. Donc, contrôleur. Non, mais c'est pas vrai. Il va pas commencer à me faire des trucs de fou. Donc, jouabilité. J'aimerais bien que tu me donnes juste... Bah, graphisme, ça s'en fiche un petit peu. Donc, musique, j'ai coupé. Parce que ça fait un peu trop de bruit. Voilà, une manette. Donc, non, c'est pas clavier. C'est où la manette là? Voilà, contrôleur Xbox. Merci. Non, on poursuit. Je vais voir si ça marche. Ouais, parfait. Oh, comment c'est sensible. On voit immédiatement. Regardez le volant, comment je le tourne. C'est beaucoup plus réactif qu'autre chose, tu vois. Ah, ça m'a fait marrer quoi. Donc là, on y va. Je vais tourner légèrement à gauche. Par contre, je fais attention maintenant de ne pas faire trop d'accidents. Parce que ça risque de piquer. Donc là, le feu, attention, parce que je prends une amende. Hein. Faut savoir que ce jeu-là, il rigole pas. Alors, attention à l'autocar. Oh purée, mais par contre, le contrôleur, il est encore plus sensible que tout à l'heure. Voilà, c'est bon. On va quitter la ville et on va se rendre un peu plus haut. Mais ça me fait super sourire parce que c'est des jeux super pas évidents quand même. Hein. Bon là, il y a personne qui me voit. Faut jamais reproduire ça chez vous. En fait, ça me permet de gruger. Ah non, merde. Ça, le mec, il s'en fout complètement du rond-point. Le sang giratoire, il en a rien à secouer. Donc là, j'ai stabilisé ma position. Voilà, on va attendre un peu. C'est bien hein, comme jeu. Hein. J'adore. Franchement, ça m'a fait marrer, moi. Oh non, commence par les textos, je réponds pas au téléphone. Tu vas te faire cuire un œuf. Donc là, en fait, l'itinéraire n'est pas si grand que ça. Hein. Je fais quand même attention d'être un peu plus prudent que tout à l'heure, parce que je me souviens que je voulais trop me précipiter, et malheureusement, j'avais tout gâché. Donc là, ça va, je suis vraiment bien dans la trajectoire, tout se passe pour le mieux. Oh là là, par contre, arrête la vodka. C'est pas trop bien, le volant, de boire un peu. J'avais soif. Voilà. Je pense qu'on va faire un peu toute l'Europe comme ça. Vas-y, mon petit manin. Après, on va rentrer dans une zone... Mais ce qui me fait marrer, par contre, sur ce jeu-là, c'est que la ville, elle se termine très rapidement et que tu as immédiatement la campagne, en fait. Mais j'avoue que c'est quand même à l'identique. Hein. C'est quasiment pareil, hein, dans la réalité. Hein. Donc, ils ont vraiment bien reproduit le côté réalisme de la route, en fait. Hein. Donc pour l'instant je suis tout seul donc je peux me permettre de rouler sur les deux voies. Mais après attention parce qu'il y a le feu. On va se mettre plutôt là. Freine un peu. Tu vas lui rentrer dans le postérieur. Donc là on doit y aller tout droit. Ok, freine. Il y a une Ferrari à côté limite. Non mais franchement ce genre de jeu, la simulation, encore je trouve qu'il est encore plus facile celui-là que les autres en fait. Parce qu'il y a d'autres jeux de simulation que je suis en train de tester aussi, donc en fait,
des jeux en fait d'agriculteurs et après un jeu de train et c'est vraiment plus complexe à manier que ça en fait. Ça c'est franchement même un enfant de allez, de 5 ans il percutera facilement que c'est facile à prendre en main quoi. Mais quelqu'un maintenant qui a envie de tester d'autres jeux de simulation, bah ça devient un peu plus complexe, hein. Donc je préfère encore m'amuser un peu à celui-là pour le moment et après je vous en ferai d'autres parce que je vais entamer un petit peu ma série de simulation. Parce que beaucoup me l'avaient demandé il y a quelques temps de ça, sauf que je vous ai dit que je le ferai très prochainement, mais finalement, je suis en train de même pas faire attention à ma route là. Ouais, je l'ai dit que je vous le ferai, donc je vais tenir parole quand même. Hein. Donc Wrocław, oh là là, la voiture, j'allais la tuer. On va rester un peu plus poli. Ah là, faut que je tourne. Oh non, non. Ah, mais en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai l'impression que je fais la même chose en fait que tout à l'heure. Je suis pas certain, mais c'est pas la même autoroute, mais ça y ressemble en fait. Donc là on va monter la fameuse pente. Ah non j'ai rien dit, c'était pas la même. Hein. Ah ouais non mais moi faut que j'arrête. Hein. Faut que j'arrête. Hein. Trop de vidéos, body par la tête. Maintenant je vais essayer de m'orienter un peu sur le côté extérieur. Il n'y a pas de voiture qui arrive, j'espère. Il n'y a pas d'angle mort. Non c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est super sensible. Hein, bon. Voie rapide, je veux pas y aller là-dedans, comme ça je garde à 90 km/h, attention, parce que je peux me faire flasher limite. C'est un péage là-bas? 40 km/h? Bon bah je vais carrément ralentir, donc c'est où pour moi là? Ouh là 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 là, je vais claquer à la porte, j'ai l'impression. Donc faut appuyer sur entrée pour payer. J'ai jamais de bol en fait, hein. Je vais trop vite. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, ça veut plus démarrer. Ça coûte cher quand même le péage ici, hein. Ouais, il nous reste combien de kilomètres encore à faire? Ne me dis pas qu'il m'en reste 197. C'est pas possible, je peux pas faire autant. J'imagine le mec qui fait tout ça. Ah non, j'ai rien dit. En fait, c'est ce que j'ai déjà parcouru. Il n'y a pas d'autre voiture qui risque de surgir dans... Non, c'est bon. Pour l'instant, le camion, il tient bien la route, hein. Donc encore un flash polonais dans pas longtemps. C'est bizarre, j'ai un... Ah bah tiens, il a le flash. Et ouais, c'est pas les mêmes, hein. Chaque pays a sa particularité de bien dissimuler leur flash. Donc là, c'est quoi? Je peux en plus regarder, hein. Le pire, c'est que, regardez, je peux conduire et faire ça en même temps. Bon, c'est pas conseillé, mais je peux visiter, je peux faire des trucs. Mais dès que je fais ça, moi je perds carrément le contrôle de la voiture, donc c'est pour ça que je vais éviter. Mais ça vous permet de voir un petit peu la déco. Ah, il est vraiment pas mal ce tunnel, hein. Franchement bien. Hein. Je sais pas où c'est, mais elle est excellente. Oh, la voiture, j'ai même pas vu, j'allais limite me rabattre comme ça d'un coup. Faut que je fasse attention, moi. Dites-moi que je suis quasiment arrivé, comme ça j'empoche les 3 000 $. Je mets mon camion en version tuning et après je pense que je mettrai un moteur un peu plus puissant. Je ferai des trucs un peu plus farfelus. Parce que je me suis rendu compte, sans argent, tu peux rien faire. Hein. Donc là, je suis en train de quitter un petit peu la chaussée, c'est pour ça que ça. Je suis en train de toucher un petit peu la voie d'urgence. Ah, c'est des éoliennes ça? C'est le mec qui fait. Hey, c'est des éoliennes ça! Attention à la voiture, tu vas la claquer. Voilà, je vais me. Oh là là, oh là là, oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là! Ah, il m'a rentré dedans, c'est lui qui m'a rentré dedans, je l'ai vu. Il sait pas conduire le mec derrière. Il a fait ça exprès. Il m'a vu en train de faire mon zigzag là, il a fait bon, je vais lui rentrer dedans, comme ça je vais réparer le pare-choc que j'avais cassé la veille et je ferai marcher ça sur son assurance. Le petit méchant, le petit méchant. Attends. Donc là, c'est bon, je me stabilise. Attendez, parce que je suis mal, vraiment mal assis. En plus, j'ai mal. Aïe, c'est bon. Nickel. Là, je suis à combien de kilomètres heure? 60. Oh, ça avance pas, hein. Mais un peu plus de turbo là. C'est bon, ça accélère. Donc, attention aux voitures, elles commencent vite à me dépasser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça marrant comme petite série de temps en temps de faire un petit peu de la simulation. Je dis pas tout le temps, tous les jours, mais de temps en temps, histoire de changer un petit peu. Par exemple, un camion, un coup de tracteur, un coup de TGV, un coup d'autre chose en fait. Je pense que ça va vraiment vous faire plaisir parce que beaucoup de personnes me l'avaient réclamé. Donc peut-être que
vous aimez ou vous aimez un petit peu moins. Donc après, je sais qu'il y a des personnes qui sont... Ah, un truc de ouf là-dedans! Oh là là, c'est une voiture volante tout ce que j'ai. 400 $ il me reste! Mais moi, j'arriverai jamais à manger à la fin du mois avec ça. Surtout dès que je mange des couscous, ça coûte très cher. Attendez. Oh putain, j'ai même pas fait gaffe à la route, quel idiot! J'ai même pas fait gaffe à la route tellement que j'étais... Putain, hey, je vous parle depuis tout à l'heure, mais j'ai même pas fait gaffe à la route. Bon, on refait demi-tour, tant pis. Oh la remorque de ouf que j'ai. Ah ouais, hein, désolé, hein. J'ai même pas fait gaffe que je vous parlais là, limite. Et j'ai tout loupé. Bon, je vous aime bien là, mais pousse-toi. Priorité à body. Je passe, je passe. Et j'ai... Moi, j'ai même pas fait d'accident, arrête de mytho. Bon, toi, pousse-toi, hein. J'étais là avant toi. Toi aussi, pousse-toi. Voilà, je vais par contre éclater tout le monde. Oh là 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 là. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Personne n'a rien vu. Ça passe, ça passe. T'inquiète, ça passe. Bon, par contre, j'aimerais bien braquer un peu plus fort, mais. Ça veut plus, ça veut plus. Oh non, c'est pas juste. Mais merde. Mais pousse-toi. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai enfin mes deux roues motrices qui fonctionnent. Hé, les voitures là, j'étais en premier, hein, casse-toi. Non, non, on va faire un petit peu le tour ici. C'est là que je me suis loupé. Oh, en plus, j'ai moins 1 200 $. Tout ça parce que j'étais en contresens rapidement, mais c'est tout. Bah, personne n'a rien vu, il n'y avait pas les flics. Je précise que ça reste un jeu vidéo, ça reste pas la réalité. On le sait très bien que sur la route, il faudrait tout simplement respecter le code de la route. Que là, c'est un jeu dont on peut se lâcher beaucoup plus. Je n'incite personne à boire au volant, je n'incite personne à faire demi-tour sur une autoroute ou autre prétexte ou quoi que ce soit. Ça reste un jeu. Faut pas tout confondre. Je le dis au cas où il y a quelqu'un qui va dire ah j'ai roulé à contresens parce que j'ai regardé sur internet un youtubeur qui faisait pareil. Mais ça reste un jeu par contre. Donc là on va freiner. Vite, 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 paye, 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 paye. Et ouvre-moi ça! Ah mais purée, il y a que des péages là-dedans là. Oh c'est rigolo par contre, hein. Oh j'ai éclaté la caisse. J'ai éclaté la voiture. Le camion, il ne fonctionne plus. J'ai l'impression de tourner en rond à chaque fois. Donc c'est poussez-vous, pousse-toi. Allez, pousse-toi. J'ai plus le temps là. La livraison, elle va être en retard. Moins 1 200 $. Ça pique, hein? Je sais pas ce que vous en dites, mais je sais pas si un jour j'arriverai à toucher quoi que ce soit comme argent, hein. Il me dit d'aller voir un atelier. Sauf que ça coûte très très cher un atelier. Hein. Je te rappelle qu'on n'a pas forcément les moyens, c'est la crise. Et je n'ai pas envie de dépenser le moindre euro. Mais mon Dieu, ça pique. Un camion était là. Ah, c'est pas vrai là. Qu'est-ce que je fais comme connerie? Oh putain, le poteau il était phénoménal. Oh non. Il y a un dortoir, je pense que c'est le meilleur moyen de dormir là-dedans, là, sur une aire d'autoroute. Putain, mais casse pas tous les poteaux, tu vas les repayer. Mais c'est plus en plus dur de garder une trajectoire. Hein. Plus on conduit, plus c'est chiant. Donc là, je pense qu'on est quasiment arrivé là, non? Pas encore. Oh, c'est long les itinéraires sur ce jeu-là. Hein. Au final, je vais rien te payer. Hein. Si je suis payé 3 000 $. C'est même pas le prix de la du camion que j'aurais cassé sur la route. Miaou. Oh putain. Oh, j'ai éclaté la remorque. Oh le panneau, coucou, il m'a fait coucou le panneau. Ah, il y a un problème, Houston. Houston, on a un problème. Body s'est coincé le camion. Oh mon Dieu. Voilà. Et là je rebraque et c'est bon normalement. Oh, ça pique, ça pique, ça pique. Et le camion. Oh non, il y a quelque chose qui bloque là. C'est le... Regardez comment ils... Ah non, mais c'est un truc de ouf, comment ils s'en foutent. Moi, je vais cogner les voitures de derrière, mais c'est pas grave. Oh non, attends, je change de vue là, parce que j'ai l'impression que ça va être... Ah non, mais ça va être une galère. Attends.
Donc attends, ouais, c'est bon, nickel. On repart. Avec un peu de dégâts à l'arrière, mais ça va. Oh non, eh, j'ai vraiment pas eu de bol, hein. Bon bah moi, dans ce genre de jeu... Oh non, le moteur il fonctionne plus, arrête d'abuser. Ça, il m'a lâché. T'as vu, je connais pas une voiture un peu plus robuste. Plutôt un camion un peu plus robuste. Allez! Je vais pas rouler à 4, à 40 km/h là. Donc c'est où qu'on doit changer après la voiture? Donc je vais voir après. Attends, je vais faire F5. Juste pour voir combien il me reste. Ah, le GPS il est balèze, hein. Oh, ça blague pas, hein. Oh, la route, je pense qu'elle va être encore assez longue, hein. Attention, hein. Ça risque de piquer un peu. Là, ça bon, je reprends de la vitesse, donc la voiture. Putain, le camion, il va un peu plus vite. J'aime bien frôler les voitures, ça c'est rigolo ça. Oh lolo. Ah, pour garder une. Ah, il est pas. Ah ouais, ça dérape plutôt bien là. Il va me rentrer dedans, vous allez voir. Heureusement que j'ai rebraqué au dernier moment. Parce que je pense que j'aurais fait un suraccident dans pas longtemps là. Un accident suivi d'un deuxième et un troisième, et c'est parti pour le suraccident. J'aime bien le camion Fast and Furious, au dernier moment. Ouais, c'est ça. Bon, bah, encore moins qu'à 400$. Ça, c'est le coup de Fast and Furious. Regarde-moi dans les yeux. Wouah. Sauf que dès que je fais ça, à chaque fois, je cogne. Ouh là là. Oh non, j'ai encore fait la connerie là. La livraison, je crois qu'elle arrivera jamais avec moi, hein. Ah, je vais faire un jeu de simulation. Les trucs dans le... Oh là là, oh là là, oh là là. Eh, c'est pas stable, hein. Visiter un atelier. Donc, je pense que là, le camion, il a vraiment très très bien souffert avec moi. Parfait. On va essayer de faire attention sur la route qu'on emprunte là. Arrête la manette, hein. Ah, c'est rigolo là. Pour l'instant, ça se passe bien, mais j'ai quand même beaucoup d'argent en perte. Moins 1600. N'hésitez pas à me dire s'il y a des codes de tricherie pour devenir milliardaire, ça m'intéresse. Ouais, parce que je vais finir très très pauvre à la fin. Je sais pas si le routier peut gagner un petit séjour plus tard si j'obtiens les bons numéros du loto. Comme ça, je personnalise à fond le camion et après je pars en vacances. Avec le camion, t'imagines? Ça aurait été sympa, ça. Ça y est, on a un peu plus de vitesse là. Par contre, dans les virages, on va vite la sentir la vitesse. Attention. En plus, il y a des montgolfières qui sont en train de me survoler. C'est bien. C'est la première fois que je vais voir limite une voiture devant moi, plutôt un camion. Oh non, non. En plus, c'est un Carrefour là, oh là là, il est balèze leur camion là-bas, hein, aussi. Hein. C'est moi ou c'est la voiture qui va péter? Le mec qui conduit comme le chauffeur du dimanche. N'importe quoi, faut que j'arrête. Oh, arrête, hein. Il fonctionnait à merveille le moteur. Hein. Commence pas à faire la comédie. Hein. Oh, comment il gueule le moteur là? Bon, on est presque arrivé, vous inquiétez pas, les amis. Hein. Il nous reste pas beaucoup de kilomètres. Faut juste que je fasse attention à celui-là là. Je pense qu'on va se heurter dans pas longtemps. Un dépassement aussi dangereux, faut jamais le reproduire chez vous. Ah, oh, il m'a mis moins de 2000$. Bon, toi tu me toucheras pas. Je suis déjà en manque d'argent là. Bon, là je vais faire un super bon accident, regardez bien. Coucou. Le grilleur de priorité. Maintenant, Gdansk. Ah ouais, on va faire un tour dans le port. Donc là, il y a quoi là? C'est bon, parfait. On est presque arrivé, les amis. Hein. Il reste pas beaucoup là. Enfin, je vois le bout du tunnel. Bon, par contre, fais pas n'importe quoi. Oh putain, il y a quelque chose qui a volé dans la déco là-bas là. Oh là 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 là. Là, je sens que le virage est très très serré. En tout cas, on est bien arrivé dans la ville là.
Allez, vas-y, 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 mon frère. Vas-y, on est arrivé. Oh non, le moteur me lâche pas, me lâche pas. Faut pas que tu me lâches comme ça, hein. Moi et toi, on était comme deux frères. Tu m'as promis de jamais me lâcher. Et là, tu me fais des conneries, là. Dès que c'est la crise financière, il me fait des conneries. Donc, ouais, on a découvert une nouvelle ville. Vous avez vu, je crois qu'on va découvrir toute la Pologne dans pas longtemps. Donc là, je vais essayer de regagner l'entrée de l'endroit en question. C'est bon. Attention, dans la ville, il faut adapter sa conduite. Sinon, je risque de tout péter. Bon, par contre, pousse-toi. Non, pas le poteau. C'est pas vrai. Le mec, il cogne la livraison pile à l'arrivée à chaque fois. Et le poteau, ah. Ah, il est coriace le poteau, hein. Pas de panique, vous inquiétez pas, je vais relever ça tout de suite. Et le moteur, mais en fait, le problème, c'est que le moteur, il m'a lâché. Il m'a bien lâché. Je dois aller là ou je dois tourner? Non, je continue en fait. Je suis con. Ah, dans ma tête, je pensais que c'était là. Fallait que je tourne en fait. Il n'y a pas de raccourci. Dommage qu'en fait, on n'a pas plusieurs itinéraires. Ça aurait été vraiment cool. Donc là, c'est bien. Je pense que le patron qui va regarder cette vidéo, il va m'engager tout de suite en tant que. que limite que chauffard du dimanche. Il va être content, il va voir qu'il y a pas que ses ouvriers qui savent pas conduire, hein. Il y a Baudier aussi qui est pire que les autres. Non, pardon, pardon, je suis pressé, mon patron veut des résultats. Poussez-vous, je veux des résultats. Bon, je dois tourner où maintenant? C'est bien. C'est en fait, c'est tout droit, c'est tout droit. 2400, c'est limite toute ma paye qui est passée dans cette course. Non! Non! C'est fait quoi là? J'ai regardé en fait les rétros. Et je me suis bien heurté quelques trucs. Oh non, putain. C'est pas vrai. Oh, faut que j'arrive. Ah, regardez le feu rouge, je vais le prendre, je vais prendre une amende. Non, c'est bon. Pour une fois, ils me l'ont pas mis, hein. D'habitude, ils se gênent pas, hein. Nous, on va enfin rentrer pour se stationner. Voilà, faites-moi pas chier. C'est bon. Imprudent? Combien ça m'a fait d'argent? Putain, c'est pas vrai. J'ai claqué autant d'argent? Oh non! Il rigole pas sur ce jeu-là. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a fait encore plaisir. Mais là, c'était un peu critique. Il voulait m'appliquer, mais j'arrive pas. Donc moi, je vous retrouve tout de suite, les amis, pour la suite. Ok? Prenez soin de vous. Et nous, on va essayer de moins picoler et se concentrer plus sur la route. A tout de suite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure. C'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A bientôt. Prenez soin de vous.